Alléluia. Est-ce qu'un enfant de BCK peut louer le Seigneur? Un ennemi que tu n'as pas eu le pouvoir de rabaisser dans ton esprit, tu ne pourras jamais l'abattre physiquement. Le combat ne se passe pas d'abord avec les poings, ça se passe avec le mental. Dieu m'envoie parler à quelqu'un. Et je vais répéter cette phrase. La peur n'empêche pas de mourir. Mais la peur t'empêche de vivre. Quelqu'un l'a dit. Et je suis d'accord avec. La peur que tu as n'empêchera pas quelque chose de t'arriver. Mais au contraire, cette peur-là va t'empêcher de vivre. Va t'empêcher d'être heureux. La Bible dit, le soir étant venu ce jour-là, lorsqu'on parle dans la parole de Dieu de soir, d'obscurité, on fait allusion à des difficultés. Il y a des difficultés qui arrivent et qui défient même les yeux prophétiques. La Bible dit une femme a perdu son fils. Elle est allée voir le prophète Élisée. Et la Bible dit lorsqu'elle est arrivée, le serviteur a dit, qu'est-ce qui se passe? Mais Élisée a dit, laisse faire, car il a plu à Dieu de me cacher de telles choses. Je veux rassurer les prophètes dans le monde. Vous n'êtes pas des dieux. Il y a des situations que Dieu laisse faire. Pas parce qu'il n'a pas de serviteur, mais parce qu'il veut démontrer sa gloire à l'humanité. Oui. Oui. Comprenez ces choses. Comprenez que le malheur atteint souvent le juste. Mais ce qui est sûr et certain, Dieu l'en délivre toujours. Je suis en train de dire à quelqu'un, coronavirus a peut-être atteint l'humanité, mais toi Dieu va te libérer de ça. Toi Dieu va te protéger de ça. Toi enfant de Dieu qui m'écoute à travers le monde, quelle que soit ta position, Dieu va te protéger de ça. La Bible dit, il y a des situations quand cela arrive, il ne faut pas que tu écoutes la foule. La Bible dit, Jésus était avec ses disciples. Et les disciples ont compris que lorsqu'on doit passer de l'autre bord, il y a des choses qui doivent se passer. La Bible dit, avant de passer de l'autre bord, ils ont commencé à renvoyer la foule. La foule, c'est qui? Qui font beaucoup de bruit. La foule, c'est qui? C'est les papatos. La foule, c'est qui? C'est les affairés. Ceux qui viennent toujours avec les nouvelles. On dit que maintenant, il y a tel nombre de morts. On dit que maintenant, on ne peut plus l'arrêter. On dit que maintenant, on dit que maintenant, on dit que maintenant. La foule parlera dans ton quartier. La foule parlera dans ton couloir. La foule parlera dans ta maison. Mais Jésus dit, n'écoute pas la foule. Passons de l'autre part. Une autre dimension. Lorsque Dieu est sur le plan de libérer une onction sur l'humanité, il y a forcément quelqu'un qui n'est pas content et son nom c'est Satan. Il y a une seule personne qui sait ce que Dieu veut faire de toi. Son nom c'est Satan. Hé, tu savais pas que la première personne qui est au courant de ton avenir, c'est Satan? Oh oh. Écoute-moi. La Bible dit, lorsque Adam va pécher, Dieu va dire à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front, il va dire à la femme, tu enfanteras avec douleur, etc. Il dit au serpent, puisque tu as fait ces choses, tu mangeras la poussière, mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. Adam et Ève sont partis de la réunion avec en tête la malédiction. Mais Satan est parti de la réunion avec la révélation de leur devenir.
Ça veut dire en fait que eux ils partaient, ils pensaient que c'était terminé. Mais Satan savait qu'il y a une postérité qui arrivait. Eux ils sont partis en disant Dieu est fâché. Mais Satan est parti avec une information que ce ne fait que commencer. Ça veut dire que souvent tu penses que c'est terminé, mais Satan est au courant de ce qui se passera de l'autre bord. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir, il y a des situations qui peuvent arriver dans la nation. Il y a des maladies comme coronavirus qui peuvent sortir de nulle part et effrayer l'humanité. Mais pour que tu puisses subvenir à résister, il faut que tu aies cette habitude de chasser la foule. Les disciples savaient que lorsque on veut aller en profondeur avec le maître, la foule n'est pas bonne conseillère. Je suis en train de parler à quelqu'un pour dire face à cette pandémie, face à ce qui est en train de frapper l'actualité en ce moment dans le monde, il y a une seule chose que tu dois faire, ne pas écouter la foule. C'est de la foule que sortent les rumeurs, c'est de la foule que sortent les montages sur Facebook, où on colle des choses et puis on te lance. Si tu dors, tu ne dors pas bien, tu es apeuré, on te dit ça aujourd'hui, demain un autre te dit non, c'est qu'on t'a dit hier, c'est pas ça, c'est autre chose. Tu ne sais même plus où tu en es, mais tout ce que tu récoltes, la peur. Tu dois comprendre une chose, enfant de Dieu. La peur doit être créée dans le cœur de quelqu'un qu'on doit déstabiliser. S'il n'y a pas la peur, on ne peut pas t'atteindre. La peur, c'est la clé qui ouvre la porte à ta vie. Le jour où tu n'as pas peur du diable, le diable n'a pas accès à toi. Remarquez, la plupart du temps, dans nos familles africaines, les gens qui disent la vérité aux sorciers, les sorciers ne peuvent rien contre eux parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas peur. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un, ne crains point. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. Je dis à quelqu'un, n'aie pas peur. N'aie pas. La peur va jouer contre toi. Oh. Dans la Bible, il est écrit, c'est ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. En un mot, ta peur va apporter quelque chose qui ne t'est même pas prévu dans ta vie. Depuis, on parle de coronavirus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont bien portants, mais à cause de la peur, ils se sentent étouffés? La peur. Ils sont bien portants, mais à cause de ce qu'ils ont donné leur oreille, ah, on dit que quand tu tousses, on dit que. Donc, bizarrement, un coup comme ça. Tu es bien portant au nom de Jésus. Tu es bien portant au nom de Jésus. Tu es bien portant au nom de Jésus. C'est une proclamation sur ta vie. Personne ne va le faire à ta place. Tu dois proclamer. Tu dois déclarer. Tout ce que tu lis sur la terre sera lié dans les airs. Tout ce que tu décides sera accordé dans le ciel. Et je proclame, tu ne seras pas malade. Je proclame, tu ne seras pas atteint. Je proclame, ce ne va pas t'atteindre. Je proclame cela au nom de Jésus. C'est dans la tête. Tu ne sais pas que c'est dans la tête. Le plus grand combat de la Bible, le plus populaire, David contre Goliath. Et j'ai fait une vidéo, un audio, où j'ai dit coronavirus, le Goliath des temps modernes. Mais le palabre entre Goliath et David n'a pas commencé par l'épée, n'a pas commencé par la pierre, n'a pas commencé par la fronde. Le commencement et la véritable guerre entre les deux était la guerre des paroles. Avant de s'affronter physiquement, ils se sont affrontés en parole. L'autre dit, je donnerai ta chair. L'autre dit, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Ça montre que pour gagner une guerre spirituelle, il ne faut pas accepter des mauvaises paroles sur ta vie. Il ne faut pas accepter que ça va t'atteindre. Il ne faut pas accepter que tu es concerné. Il dit à Jérémie, je t'ai établi aujourd'hui sur les nations. Sur les nations, il n'a pas dit dans les nations. Le coronavirus est dans la nation. Il est dans les nations. Mais toi, l'onction qui est sur toi, t'établis sur, tu n'es pas touché. Oh, à qui je parle? À qui je parle? Tu n'es pas dans, mais tu es sûr. Tu n'es pas dans, mais tu es sûr. Tu n'es pas dans, mais tu es sûr. Mon ami, ça veut dire qu'en fait, tu ne comprends pas. Tu n'es pas en bas,
mais tu es au-dessus. Or, c'est celui qui est en haut qui montre ceux qui sont en bas. J'ai dit, à cause de toi, ta maison ne sera pas touchée. À cause de toi, ton quartier ne sera pas touché. Il n'aura pas de foyer de coronavirus dans ton quartier. Il n'aura pas de foyer dans ton entourage. Est-ce que tu peux me dire amen? Tout soit dit, je ne serai pas touché. Dis au nom de Jésus. Je n'ai pas peur. C'est la peur. C'est la peur. Pendant 40 jours, Goliath a terrorisé Israël. Avec quoi? La peur. Et quand vous regardez l'histoire, on ne fait que parler de son javelot. On ne fait que parler de sa taille. On ne fait que parler de son bouclier. Mais David a regardé et dit, ah, il y a une gloire à prendre ici. Les gens disent, mais qu'est-ce que tu dis toi? Il y a une gloire à prendre. Est-ce que vous savez que lorsque Samuel le prophète est allé consacrer David comme roi, David a reçu l'huile mais pas de couronne. David a reçu l'huile de Samuel mais il n'y a pas eu de couronne. Pourquoi pensez-vous que quand Goliath a perdu, David lui a coupé la tête? Parce que le jour où Saül n'a pas pu combattre Goliath, la couronne de Saül a été transférée sur la tête de Goliath. C'est pourquoi la Bible dit, Goliath avait un seul aspect avantageux. Il dépassait tout le monde de la tête. Ce coronavirus-là est en train de faire parler de lui. Il est en train d'être populaire. Mais la Bible dit, notre Dieu est le Dieu qui a le nom au-dessus de tout nom. Tu ne comprends pas ça. Ça veut dire que quand le nom est au niveau 2, Jésus est au niveau 3. Mais regarde comment le coronavirus est monté. J'ai dit, après cette pandémie, beaucoup de gens qui ne croyaient pas en Dieu vont croire en Dieu. Après cette pandémie, beaucoup de gens qui n'allaient pas à l'église vont aller à l'église. Après cette pandémie. Amen. 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 Oh, j'ai compris que quand il y a des gens bénis sur une terre bénite, la terre se change en bénédiction. Abraham a dit à Lot, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Parce qu'Abraham a compris que ce n'est pas le territoire qui est important. C'est celui qui dépose son pied sur le territoire qui change le territoire. Tu es béni, la Côte d'Ivoire est bénie. Tu es béni, la France est bénie. Tu es béni, la Chine est bénie. Tu es béni. Tu es béni. Tu me parles de qui? Coronavirus? Moi je te parle de Jésus. Est-ce que tu sais ce que signifie coronavirus? Ça signifie le virus avec une couronne. Corona. Ça veut dire que voici un virus qui rentre et qui dit, aujourd'hui, tous les rois là, c'est terminé, c'est moi qui ai la couronne. Mais ça me rappelle quelque chose. La Bible dit, quand Jésus est né, un homme s'appelait Hérode, il avait la couronne, mais ce n'était pas lui le roi. Là, les mages sont venus, il dit, nous sommes venus annoncer, adorer le roi qui vient de naître. Coronavirus, c'est la couronne. Mais je connais quelqu'un qui a la véritable couronne. Qui a la couronne au-dessus de toute couronne. Qui a la véritable couronne. Son nom c'est... C'est ce que tu dois dire sur ta page. Ta page Facebook n'a pas été donnée pour que tu dises ça fait peur. Ta page Facebook n'a pas été créée pour que tu partages les choses de mort. Ta page Facebook t'a été donnée pour que après ce message tu écris Jésus-Christ a régné, il a gagné, il a piétiné coronavirus. Qu'est-ce que tu vas écrire après ce message? Qu'est-ce que tu vas dire? L'histoire te regarde.
ne sois pas un agent de la peur. Qui sont les agents de la peur? Les personnes que la peur a gagnées et qui sont en train de partager la peur à leur entourage. Non, je ne serai pas un agent de la peur. Je ne vais pas aller parler à mon voisin pour lui dire que, ah, on ne sait pas si c'est la fin du monde. Mais je serai en train de chanter quand le voisin va venir pour dire, mais voisin, il y a quoi? Ou même tu n'es pas au courant. J'ai dit, si, je suis au courant que le roi s'est levé pour vaincre cette maladie. Je suis au courant que le Dieu s'est levé pour renverser cette pandémie. Dis-moi, amène trois voix, dis amen ta voix. Dis avec moi, je suis au courant. Il y a de l'espoir. Et ce soir, nous vous avons convoqué pour vous dire qu'il y a de l'espoir. 1000 tomberont. Tu as lu des Bibles. Tu as lu des versets. C'est maintenant que tu vas vivre les versets que tu as lus. Hein? Non, tu as lu, mais tu ne comprenais pas. Mais tu vas comprendre maintenant. Ça peut toucher ton voisin. Ça peut aller taper à la porte de ton voisin. Mais arriver sur toi, ça va sauter. Est-ce que tu entends ce que je prêche? Laisse-moi parler. La Bible dit, quand Jésus était à la croix, il y avait trois personnes. Deux brigands et Jésus au milieu. La Bible dit, on a pris un bois, un fer. On a cassé les pieds du premier voleur. En temps normal, quand on casse premier, après on casse pour combien? Oh, Jésus était quelième? Deuxième. Parce qu'il est au milieu, l'homme du milieu, il est deuxième. Tu prends de gauche vers la droite, deuxième. Droite vers gauche, deuxième. Donc, il ne peut pas échapper. Si on a cassé pour le premier, on dit deuxième, là, c'est fini pour lui. Mon gars arrivait sur lui, quand il voulait, la terre a tremblé, il a sauté, il est passé à troisième. J'ai dit, ta porte là, il n'y a rien qui est devant, il n'y a pas chien méchant. Ta porte là, il n'y a pas de babadi qui est enterré. Tu n'as pas les médicaments enterrés. Mais aussi longtemps que le ciel existe, tu ne mourras pas de cette maladie. Tu ne seras pas atteint de cette maladie. Oh, je prophétise sur ta vie. Si tu acceptes cela, ça rentre dans ton corps. Si tu acceptes cela, ça rentre dans ton âme. Si tu acceptes cela, ça rentre dans ton esprit. Coronavirus ne t'aura pas au nom de... C'est ça qui est la vérité. Je disais à mes enfants aujourd'hui qu'on était en réunion. Je leur ai dit, nous sommes prêts pour combattre. Et nous avons deux armes. Une arme spirituelle et une arme charnelle. Mais notre épée spirituelle est à double tranchant. Elle est prête à couper à gauche comme à droite. Et ils m'ont dit, mais pourquoi tu dis ça, papa? Je leur ai dit, parce que la sorcellerie, c'est la plus grande photocopie de Satan. La photocopieuse de Satan, c'est la sorcellerie. Vous n'avez pas vu que quand les virus viennent, la sorcellerie photocopie ça. SIDA est venu, VIH est venu. Ils ont photocopié aussi pour lancer. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont en train de réfléchir? Comment ils vont photocopier pour te lancer ça? Mais j'ai dit à quelqu'un, il aurait un ressort dans le monde spirituel. Il aurait un ressort dans le monde spirituel. La personne qui t'aime, qui s'amuse à te lancer ça, ça va retomber sur ses enfants, sur ses petits-enfants, sur ses neveux. Tu ne seras pas atteint. Celui qui joue avec toi cette année, il tombera devant ton Dieu. Oh, dis-moi bien, amen. Dis à quelqu'un, je n'ai pas peur. C'est par la peur qu'on veut t'avoir. C'est par la peur. Des artistes ont chanté dans notre pays ici. Je te respecte, je ne veux pas dire peur de toi. Et moi, je vais dire à coronavirus, on entend parler de toi, ça ne veut pas dire qu'on a peur de toi. On n'a pas peur de toi. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. C'est ce que la Bible te dit ce soir. Il y a des gens qui marchent la nuit. Coronavirus marche le jour. On parle de lui à la télé. Tu es assis sérénement. Il dit, ne promène pas des regards inquiets. Il ne faut pas regarder à gauche pour dire à quoi là-bas. À droite pour dire à quoi là-bas. Regarde devant toi. Coronavirus connaît son terminus. Et son terminus, c'est Jésus. Qui croit cela? Qui croit cela? Qui croit cela?
Qui croit cela? N'oublie pas que tu es un soldat. Un soldat n'a pas peur. Un soldat n'a pas peur. Regarde, quand quelqu'un est en danger dans un pays, lorsqu'il voit un policier, un soldat, il dit: mon sauveur, sauve-moi. En fait, le soldat n'a pas peur parce que le soldat chasse la peur. J'ai peur parce qu'il y a des brigands, mais quand je vois un policier, je n'ai plus peur. J'ai peur parce que on me poursuit, mais quand je vois un soldat, je suis rassuré. Tu es un soldat. Quand les gens te voient, ils doivent être rassurés. Quand les gens t'approchent, ils doivent être rassurés. Tu ne dois pas être un agent, un policier de la peur. C'est-à-dire pour envoyer la peur. Tu ne dois pas être un distributeur. Si tu avais commencé ça, ce n'était pas toi. C'est Satan qui connaît ta valeur et qui a commencé à te faire partager. Ça ne partage pas ces conneries-là. Partage, Jésus est victorieux. Partage, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole pendant le jour. Partage, ils viendront vers moi par un seul chemin, mais ils s'en iront par sept chemins. Partage! Ce genre de choses. Sois un agent de la foi. Partage la foi autour de toi. On dira: mais tu n'as pas peur. Non, je n'ai pas peur. Parce que si moi je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et la Bible dit: ils ont traversé et ils sont passés de l'autre bord. Et lorsqu'ils étaient en train de passer, la tempête Corona s'est levée. Une grande tempête. Frère, on a eu des maladies, hein? Ebola, sida, hein? Grippe aviaire, quoi encore? Hein? Oui, Ebola. Vache folle. Il y a eu quelque chose pour porcine aussi. Maintenant, c'est Corona. Mais il y a quelqu'un qui le connaît. Tu sais, un jour, il y a un homme qui est venu acheter une voiture qu'on appelle Rolls-Royce. Une voiture très chère et très belle. Et le monsieur a dit: mais tu as tellement de belles voitures, pourquoi tu ne fais pas la publicité de ces voitures-là à la télé? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit: c'est pas ma faute. Parce que ceux qui achètent ces voitures-là, ils n'ont pas le temps de regarder la télé. Écoute-moi. Il y a des maladies qui ont besoin de télévision pour être populaire. De radio, pour qu'on entende parler d'eux. Corona a besoin de radio, de télé, de bouche des gens. Jésus. Même si tu ne veux pas, tu sais. Même si tu ne veux pas en comprendre, ça règne dans toi. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui a créé le ciel et la terre. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la tombe, mais le troisième jour, qui est sorti du tombeau. Corona va s'arrêter. Corona a traversé janvier, février, mars. Mais en avril, il y a quelqu'un qui s'apprête à sortir du tombeau en avril. Ah! Le calmeur de Corona, il sortira en avril. Ces temps sont comptés. Ces temps sont... Janvier. Février. Mars. Avril. La terre va trembler. Ah. La Bible dit, les gens ont scellé le tombeau. J'ai compris maintenant que parce que beaucoup de choses se passaient. Mais un ange est descendu. Il a roulé. Comme pour dire, le film va commencer. L'acteur principal, ce n'est pas le chef bandit, ce n'est pas Corona. Le brave, il va sortir. Je dis à quelqu'un: calme-toi. Le brave est déjà habillé. Le troisième mois, à partir d'avril, le brave des braves, le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs va sortir du tombeau. Il sortira. Et ce jour-là, on va mesurer la force. Hé, coronavirus t'emmène à la mort.
Mais Jésus a vécu la mort. Il agira, il le fera haut, il le fera haut, il le fera haut, il le fera, mon Dieu le fera haut. Mon fils Moïse Atta, il le fera. Joue-moi la batterie.